Salut tout le monde, c'est encore moi, on est toujours dans le village de Sidemen, mais aujourd'hui on n'est plus parlé de rizière et il y en a une autre activité dans le village de Sidemen, c'est l'activité de gens locaux qui fabriquaient du l'arak. L'arak c'est une boisson l'alcool ici locale à base de palmier et il est distillé sur sept coins. Et comment il l'a fait, je vais t'expliquer. Bon, tout le matin, les bonhommes dans la famille, ils vont grimper cette cocotier pour récupérer les liquides qui sortent par les fleurs du palmier. Regardez là-bas, les couleurs rouges dans le foyer du cocotier. Il y a les bidons rouges, ça c'est les bidons comme les récipients pour récolter de liquide ou de vin de palmier quoi. Dans toutes les cocotiers là-bas, il y en a les bidons rouges. Et là, il y en a aussi comme les escaliers, comment il est grimpé les cocotiers. Et après ça, quand il était récupéré beaucoup de vin de palmier, il va cuisiner dans cette cuisine. Il va mettre les vins de palmier à l'intérieur de cette boîte. C'est les boîtes qui fait avec le bois du cocotier qu'il était troué. Il est cuisiné là, il est cuisiné là, et après avec l'abafeur, ou l'abafeur va traverser ce tuyau, voilà ce tuyau là, et il y a un autre grand bidon bleu ici, ça c'est de l'eau pour refroidir l'arak ou le sus de distillation s'appelle arak et après il va récupérer ici voilà donc, sur cette boîte il y a l'arak déjà voilà l'arak c'est les boissons l'alcool ici local l'alcool dedans on peut toucher jusqu'à la 40 degrés mais il y en a aussi l'arak qui est capable à flamber ou flammable quoi, pardon, excusez-moi, c'est flammable. Voilà, ça c'est le vin du palmier. Les vins du palmier sont comme ça. Voilà, mais si vous êtes ici, vous sentez l'odeur, c'est pas terrible. Voilà, vous voyez. Les blancs, c'est comme le. Comment s'appelle ça dans les boissons, comme le bière ou. La mousse, quoi, la mousse. Hein? Ça, les manières traditionnelles. Fabriquer l'alcool, l'arak. Mais voilà, c'est pas grand chose à expliquer, il n'y a pas beaucoup de photos aussi, ou de vidéos qu'on nous faire. Parce que, pues comme ça, c'est très facile à fabriquer l'arak. Et voilà, suffisamment pour aujourd'hui. Et à la prochaine semaine, pardon. Au revoir.